Yo les gars, c'est Vilcodin85. On se retrouve pour un deuxième épisode du Code du jour. Donc cette fois-ci, c'est sur MW3. Pareil que la dernière fois, on va faire plusieurs games. On va, ouais, pendant 15-20 minutes, on va faire plusieurs games en essayant de faire le meilleur jeu possible. C'est vrai que je préfère MW3 à MW2, donc je vais essayer d'être un peu mieux. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Je sais que Zone de largage, j'avais beaucoup aimé. Standard. Oh, je sais pas. On va essayer de lancer en zone de largage, tiens. Allez, pour le fun, on va essayer de lancer. On va voir sur quoi on tombe. Donc en tout cas, j'espère que la série vous plaît. Moi personnellement, j'adore le faire, c'est vraiment fun, je trouve, donc voilà. Donc on va partir, je pense que ça a déjà commencé. On va utiliser ça, pourquoi pas. Ok, non, ça vient juste de commencer, c'est bien ça. Ça fait plaisir. Juste aller par là. Putain, merde. Attendez, je vais juste prendre le sniper à cog parce que c'est plus simple. C'est plus simple, non, mais je tiens. Je préfère. Je préfère, disons. On va même venir récupérer mon barrette. Oh putain, bâtard. Bon, ok, allez, on va se concentrer un peu parce que là on fait un peu un ratio de merde. Voilà, blague. Bon, attendez, on va prendre parce que je suis pas bon pour cette game, je suis pas bon en snipe, donc avec ma voix qui déraille, oui, tout à fait. Voilà, blague. Bref. Oh, mais putain, mais sans déconner. Excusez-moi pour cette petite voix déraillée que j'ai. Putain, bâtard. Va mourir, toi. Hop. Oh putain. Oh, c'est pas grave. Allez, hop. Il faut aller prendre, les gars. Bon, allez, un brouilleur de drone. Voilà. Colis stratégique en approche. Drone de brouillage activé. Bien joué. Avec moi, lui. On est en tête. Oh bah bordel. Putain, il nous met cher lui avec sa machine là. Colis stratégique en approche. Essayer de. Non, mais c'est une blague! Ok, bon bah. Colis stratégique en approche. Il est où le bâtard? Avec son sniper à deux balles. Oh là là. Attendez, on va reprendre le snipe finalement. J'ai l'impression qu'on sera mieux. Hein. Bon, attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va contourner. Parce que c'est un peu le dawa là. Il faut qu'on se l'avoue. C'est un peu le dawa. Colis stratégique en approche. Putain. Mais il était où? Ok. Très bien, très bien. Il faut les capturer là-bas. Bon, on va aller capturer. Hein. Très bien. Un ennemi en approche.
Donc on va aller voir là-bas. Et merde. Je connais pas trop cette map. Enfin, légèrement, je connaissais pas. Oh, mais putain. Bon, allez. Et vous avez vu, je l'ai cuté le gazio quand même. Attends, je veux bien voir parce que là, sans déconner. Ok. Ça met que je le cut avant. Mais bon, c'est pas grave. Putain, c'est pas très grave. Colis stratégique de l'ennemi en route. Drone activé. Mais putain, mais je suis vraiment une daube. Bon, attendez. On va reprendre la CM. Parce que je suis pas très bon. Et putain, il m'énerve sans déconner, il m'énerve. Police stratégique de l'ennemi en route. Mais vas-y, soit t'es sniper, soit tu joues à l'arme secondaire sans déconner. Oui, j'anticipe un peu ce que vous pouvez dire dans les commentaires, mais oui, je rage un peu. C'est vrai, je l'avoue. Tiens, voilà. Ah putain, mais... Je la vois pourtant, hein. C'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon on est là pour se faire plaisir. Ah voilà. Au moins c'est le principal, j'en touche un. C'est ce que je voulais. Je ne dirai rien. On retournera en MME ou après ou en EC parce que là... Oh, attendez, on va retourner en EC après parce que là, je galère d'une force. Oh là là. C'est terrible. Très bien, mec. Très bien. Police stratégique en approche. Prends ta cachette, salaud. Ah putain, mais si je les cherche pendant une heure, les mecs aussi. Putain, c'est vraiment une blague, ça, ces mecs-là. Ils sont trop bons. Putain, je suis meilleur sur Terminal, sans déconner. Tiens, alors! Qu'est-ce que tu dis, là? Colis stratégique de l'ennemi en route. Je suis désolé, je parle pas trop, là. Mais c'est vrai qu'on va faire un ratio pourrave, alors... Je préfère moins discuter et me concentrer un minimum. J'ai l'impression qu'on va prendre cher, donc c'est pour ça. Voilà. Vous savez quoi, on va faire la pute, on va jouer à l'arme secondaire, mais là... Mais genre, d'où tu sais que j'arrive là, putain? J'aimerais bien savoir où c'est que tu m'as pris, puisque sans déconner...
Allez, mais sans rire. Tiens. Ça se voit que c'est ma... Ça se voit que c'est ma première game du matin parce que... Putain, mais alors lui, mais... Non, on va pas le prendre parce que je pense que c'est un colis piégé. Sans rire, le gars là, Skaza ou Skza ou je sais pas comment tu peux t'appeler. Il est chiant. Oh la vache. Et à ce point, une branlée monumentale. Ok, toi t'es avec moi. Stratégique de l'ennemi en route. Allez, hop. Il reste peu de temps. Colis stratégique de l'ennemi en route. Alors, t'en dis quoi, toi? Ah merde, j'allais dire on va au moins sauver l'honneur. Bah je suis content sur cette fin de game quand même. On a réussi à enchaîner un peu. Ah chasse. On a fait du combien? On fait du 9-23, ça je l'avoue. Ah on gagne. Oh là là. Ça se voit que les autres certes, l'autre avec son fusil l'autre avec son sniper, c'est bien. Mais mec, en zone de largage, faut jouer les points et faut pas faire que ça, voilà. Donc bon, ça là, je sais pas quoi là, SKZA là. Certes, voilà, t'as. On va quitter, on va aller chercher de la MME ou de l'OC. On va se faire un petit MME. Une petite MME. J'espère tomber quand même sur. J'espère au moins tomber une fois sur. Merde, comment ça s'appelle? Oh putain, Baccarat. On va quitter la game parce que je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Ok. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Ouais, on va quitter la partie parce que je connais pas du tout. Tout simplement. On va rechercher. Ouais, ça me... j'aimerais bien tomber sur l'aéroport là. Enfin. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai dit tout à l'heure. Village. Ah non. Non, non, non. Tomber sur une bonne map, ça serait bien. Que je connais, parce que c'est l'avantage. Tintin ou résistance. Ah, ouais, résistance, ça va, je connais à peu près. Ouais, ouais, j'aime bien. On va tout de suite mute les mecs. Hop, voilà. Et merde. On va essayer de muter dans la partie l'autre. Ça va, c'est assez équilibré. Je vois des mecs qui sont à peu près de mon niveau, donc c'est tant mieux. Oh, la tour Eiffel. La connerie. Donc voilà, j'espère que cette série vous plaît. En tout cas, voilà, je fais ça pour le fun. De toute façon, plus on va jouer, plus on va s'améliorer. Donc, c'est positif. C'était qui le mec? Je crois que c'était lui. De toute façon, on va muter tout le monde. On va muter tout le monde, voilà. Alors, on est parti. Moi, je vais plutôt aller sur la droite. Parce qu'il y a des mecs qui vont pas tarder à arriver par là. Ah non. Habituellement, si. Tiens, voilà. Alors. Ça a été assez serré, je pense. Merci. Merci. Donc lui, sa bêtise, il est parti. C'est tant mieux. Lui, il va se planquer là-bas. Ok, très bien. On va essayer d'aller le chercher. Et puis on va essayer hein, parce que par contre évitez de camper mes potes,
Certes, ça nous fait gagner, mais bon, c'est pas très... Qui est très bien par derrière, c'est très bien joué. Je ne l'avais pas vu, donc c'est très très bien joué. Tiens. Voilà. C'est bien parce que... On débloque, on passe des niveaux... Ah bah ça va, oh wow. Calmos. On gagne plein de trucs. Oh! Putain, je pensais que j'étais sur sa tête, sans rire. Tiens. Quelqu'un d'autre? Non. Apparemment pas. Putain, si. Oh, mais il est mort. Quel con. À part signer ma position, j'ai rien fait. C'est quoi ça? Eh, vous êtes d'accord, j'étais dessus. Oh putain. C'est pas grave. On a scope comme des porcs, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les steaks. Ok, donc l'adversaire va certainement être derrière nous. On va continuer par là. Je sais pas si vous en pensez, mais je me démerde mieux à cette game. Il arrive. Tiens. Je savais que t'arrivais, Gazio. C'est pas grave. Ça arrive à tous. Je suis pressé d'avoir le DSR parce que... Je préfère le DSR sans déconner, mais après... T'es passé où? Bah merde là! Ouais, j'étais sûr de l'avoir vu. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On connaît combien? 17 minutes. Putain. Yes. Je croyais que c'était pour ma gueule, donc ça me fait un peu plaisir. Oh, là c'était moche! J'ai bombardé comme un porc. C'est bien fait pour moi. J'aurais voulu passer le noscope. Putain, il serait pas passé. Oh bordel, par contre. On va aller se planquer parce que j'aime pas du tout ça. Ok, il nous a pas vu. Ça, c'est tant mieux. Parce que ça, c'est moche. Ça joue avec ce killstreak. Ça me plaît pas, moi. Ça va, il est mort. Oh le gars. Il a pas duré longtemps. Son killstreak. Putain mais qu'est-ce qu'ils font à venir par là là? Putain, il me fait chier lui. Tiens, à travers les arbres, tu vas voir, tu vas le sentir. Ah bah ils l'ont déjà tué, donc tant mieux. Tant mieux. Oh! Petit noscope. Pardon. Pardon pour les oreilles si j'en ai détruit quelques-unes, mais je suis content de mon noscope. Ils ont l'air d'arriver par là, ces petits bâtards. Ah bah oui. Ok, il est prêt avec nous. Ça a l'air d'être à nous. Tiens. Ça s'est fait. On va essayer de le revivre. Je sais pas si c'est possible, ça. De revivre en avion. Non, je pense pas. Pas ici en tout cas. Je connaissais pas cette partie de la map, c'est. Muy bien. On va passer par là. Est-ce qu'il y a des mecs là? Non. J'étais flash, je vais y aller. Tiens. Oh, bâtard! Ah, oh, c'est bien, on fait du D6, franchement. Je suis content. Ah, bah, un drone. Ok. Bah, nickel. Un petit headshot, ça te fait du bien. Hein.
Ça t'évitera de rester campé devant. Ça m'énerve, ça. C'est vrai en plus. Par contre, mec, ça va arriver derrière toi. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ok. Putain. Eh, je le dis, hein. Mais j'y fais pas attention. Putain. Suivant. Donc ça va arriver par là-bas, je pense. Alors, on va contourner, on va contourner. De toute façon, on est en avance. Je vais pas dire, mais c'est... Oh, putain. Ok, tu l'as tué, c'est très bien. C'est trop très bien, l'ami. Alors, ça serait bien qu'on se fasse un petit clip du genre une. Une quadfield, une colette. On va te mettre tout de suite. Voilà. C'est un peu de malaise, j'ai eu un peu de mal à sauter, mais bon. On va éviter de se faire colette. Putain, il y en a un pas loin. Mais non, faut choper par derrière, les mecs. Ils comprennent rien à la vie. C'est bizarre, j'étais pourtant persuadé que j'allais en trouver là, mais c'est pas très... C'est pas très grave en soi. Donc clairement, la première partie... Putain. Ah GG. GG pour cette grenade, El Amigo. C'est vrai, j'avoue. Tiens, un moins. Attendez les gars, allez là-bas. Parce que j'ai l'impression qu'on nous... On nous attend. C'est bien ce que je pensais. Eh. Sans rien, on fait du 15-8. J'aime bien. Donc on va se faire une petite game. Une dernière, allez. Tout dépend sur quoi on tombe. Parce que là, on gère assez. Donc je suis assez content. Je suis assez content. Donc je suis désolé si vous entendez le bruit de ma console derrière, mais c'est vrai que... Camouflage dans la brume. Ok. Barrette thermique, non ça m'intéresse pas. Concentration, ah ça par contre ça m'intéresse. Créer une classe, ah oui. Barrette 50. Ah, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Principal, fusil de précision, barrette 50. On va mettre ça. Non, on va pas prendre le capteur cardiaque. On va prendre le chargeur crankcap en eggs. Ouais, comme ça. Ok, donc c'est mission. Et ben on va quitter la partie. On va s'en retrouver une. Puisque je connais pas du tout ces maps-là, tout simplement. Si on tombe sur Sea Town, ça serait cool. Ça serait cool. Donc on s'en fait une petite dernière. Histoire d'arriver à 30 minutes. Ouais, 30 minutes. Et puis on se laissera après. Résistance ou Arcadène. Je connais pas Arcadène en fait, en vérité. Donc, va falloir que j'y joue de plus en plus à ce jeu. Hein, parce que franchement, je connais pas beaucoup les maps. Bon, c'est pas très très grave. Oh. On va partir en EC. Vous savez quoi? On va partir en EC. Et merde, on va aller voir ce qu'on peut nous proposer. Arda. Ouais, c'est bien l'Arda. C'est bien. C'est bien. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait ma petite coupe d'été. Non, sans déconner. Je trouve que... J'avais trop de cheveux. Alors du coup, j'ai dit... Oh putain, et où ? J'ai dit, je vais changer un peu quand même. Putain, salaud. Petit salopard, toi je sais où tu es. Et tu vas en prendre plein ton grade. Rien de tel qui m'énerve que la campouse là-bas. Putain, mais sans rire. Attendez, parce que là. Merde. Je crois que récupérer. Ouais, très bien.
Les mecs qui campent là-bas, ça me gave un peu. Élimination confirmée. Ah la vache, la tristesse. C'est pas grave. Sans déconner, vous venez de le voir, je l'ai quand même tiré avant. Putain, mais ça c'est vraiment... C'est vraiment injuste des fois ce jeu. Dégage. Vous avez vu, je l'ai quand même mis dans la tête. Et on l'a entendu en plus le tir. Putain, franchement. Putain, mais arrêtez de camper sans déconner. Je rage un peu, mais c'est vrai que... Bon, écoute-moi bien, toi. Qui campe derrière la pelleteuse, là. Mais bordel de chiottes. J'ai juste de réapparaître là, sans déconner, et les spawns. J'étais pas au courant que les spawns sur MW3 étaient aussi mal faits. Puis en plus, il vient pas chercher sa plaque. C'est vraiment un égaré, lui, hein. Bon. Mais c'est... Putain, et arrête de camper là, toi. Hein. Je te jure. Hein. Je crois que je vais venir chercher par la peau du cul, mec. Hein. Putain, mais... Tiens. Putain. Qu'est-ce que ça peut m'énerver, ça, les mecs qui campent là. Je suis désolé, j'enrage, mais sans déconner, vous trouvez pas que j'ai raison là? Putain, sans rire. Ils sont encore là, là. À leur pelleteuse à la con. Bref. Mais là aussi, c'est pareil! Putain, mais sans déconner. Je tire avant, en plus, ça s'entend quand même. J'enrage un peu, excusez-moi. Comme il. Ok, très bien, il n'y a personne là. On va essayer d'aller chercher là-bas. Je sais pas à combien de plaques ça se finit. De toute façon, ça va bien se finir d'ici 3-4 minutes. Putain, je te jure, toi. Putain, mais... Hey. C'est bueno, ça. Putain, mais... En plus, j'ai un shoot de merde. Ok, très bien. On va passer par là. Par contre, pour ceux qui disent oui, tu rages ou quoi que ce soit, j'ai envie de vous dire, celui qui n'a pas ragé en jouant à Call of, mais putain. C'était une blague, ça, bordel. Deux hitmarkers, sans déconner. Attention, drone ennemi repéré. Colis stratégique de l'ennemi en route. Putain, c'est bon. Oh là là. La difficulté. Putain, mais j'ai peur du Hind en même temps et ça me fait faire des conneries mais monumentales. Putain, j'aime pas ça sans déconner. Mais voilà. En approche. Putain, il y a un Hind. Moi, bon, les gars, je me tire. Voilà. Putain, sans déconner, ça devrait être interdit les killstreaks.
Un EC, ou alors genre juste les drones, tout comme ça, mais les avions, sans déconner. Certes, tu mets du temps à le débloquer, mais... C'est pas... Oh putain, merde. Oh, je suis mort. Attention, drone amélioré activé. Drone d'assaut allié en approche. Étonnant, ça, je suis pas mort. Même très étonnant. Alors, ils sont encore crampés à la pelleteuse. Ah non. Ils sont derrière moi. Bon. Putain. T'es enculé, toi. La tristesse, on aura fait qu'une partie de bonne, hein, putain. De toute façon, le code du jour, c'est pas vous montrer du super kill, hein, sans déconner. Si vous attendez à voir du super... Putain, mais je tire avant quand même. J'ai pas une précision de ouf, je le reconnais, mais quand même. Yo. Ça aussi, c'est une blague, hein. Je lui mets 50 balles dans la tête, mais non, ça passe pas. Ça ne passera pas. Et tu es comme ça, ils sont injustes des fois. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Déception. Oh mais sérieux. Putain mais toi mais arrête. Sans déconner. Oh là là. Et franchement il m'épuise lui avec être là. Il va aller chercher. Très bien. Putain mais merde. Mob. Oh bon. Oh, c'est beau ça. Ah oui, puis là on se fait terrasser les mecs. Hein. Bien joué. GG. Se faire tuer par une bombe nucléaire ennemie. Bah voilà. Au moins j'ai débloqué un succès. De toute façon c'est fini. Putain, et dommage, on est à 44-46, hein, franchement. Et moi, je fais combien du... Oh la vache, du 4-25. Autant la partie d'avant, on a fait un bon ratio, autant là, j'ai fait de la merde. Oh, c'est pas très grave, de toute façon, le code du jour, c'est... on fait 3, 2 ou 3 parties. De nouveaux titres sont disponibles. Attendez, on va voir ça. Assassin. Ah, oh, j'aime bien ça, par contre, Assassin. Ouais, mais j'aime bien. On va garder français pour l'instant. Hop, ok, emblème. Je crois qu'on a gagné d'autres emblèmes. Non. Attendez, on va quitter la partie, ouais, voilà. On va faire assassin la prochaine fois. Carte d'identification, ouais, je l'ai pas loupé pourtant. Attendez, ah si, ah oui, d'accord. Réformer, toxicité, ok. Ok, très bien. Eh bien, voilà les gens, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir. Voilà, j'ai peut-être un peu ragé, mais bon, qui n'a pas ragé sur les Call of, hein, faut l'avouer. Ma deuxième partie sur Résistance, et c'est vraiment pas mal. J'ai vraiment aimé. J'ai fait un petit noscope, pas mal d'headshots, donc ça fait plaisir. En tout cas, voilà, ben, y a des parties où on est bon, il y a des parties où on est moins bon. Hein. De toute façon, c'est comme ça, hein, on n'est jamais tout le temps bon, à part les grands joueurs, mais bon, comme vous pouvez le voir, je suis niveau 27, j'y joue pas souvent, mais j'aime bien Call of, donc voilà, je vous partage mon plaisir, et je vous fais pas des vidéos pour vous montrer du skill, une mob, ou quoi que ce soit, moi je vous fais des vidéos parce que voilà, j'aime beaucoup le jeu, parce que ça me fait plaisir, et parce que voilà, j'estime que si ça me fait plaisir, ben... J'ai envie de vous partager un peu, voilà, mes fous rires, mes moments de rage, les moments où je fais des beaux trucs et moments où je fais des moins bons trucs. Voilà, moi ça me dérange pas, j'ai envie de dire, voilà, le code du jour c'est quoi? C'est 3 games sur un Call of, espace plus ou moins bien, c'est pas grave, le principal c'est de se faire plaisir. Et puis voilà. Donc, pour moi, pour ma part, ben, l'épisode se termine ici. Petit 34 minutes je pense, ouais ça doit être ça, autour de 35 minutes, donc c'est un peu long mais j'ai trouvé que c'était sympa, donc voilà, merci à tous d'avoir regardé, le pouce vert c'est la récompense, pour ma part je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao les gens.